coaster roller, ce rassemblement, explique-nous un peu. 17e du nom, donc avec une météo qui nous suit régulièrement exécrable, ce qui s'appelle ce qu'on n'a pas de chance. Donc certains nous disent, il y a quelqu'un qui nous a porté à la poisse, c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions. Coaster roller sans la ronde de Saint-Flot à la base, donc Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Flot c'est devenu Saint-Flotte, et ça fait, pour cette année, ça fait 2 mois qu'on crève de chaleur. Ouais. Et malheureusement, on a eu un week-end pourri, mais c'est comme ça, on est là, vous êtes là. Donc c'est un peu notre histoire, on a fêté nos 20 ans cette année le 2 octobre. Donc cette histoire a commencé d'abord avec une bande de potes, une bande d'amis. Et donc on allait régulièrement boire un verre dans un bar. Et j'ai proposé à la patronne de... je lui ai dit, écoute, j'organise une balade moto et tu me fais un concert, nous on ne gagnera rien. Et tu payes le groupe. Donc voilà, on a commencé, c'est la première année. Il y avait environ 250 motos. Deuxième année, on remet le couvert et là, évidemment, il y avait plus de 700 motos. Toujours la patronne du bar a joué le jeu, donc c'est là qu'on s'est dit, on va commencer un rassemblement. Mm-hmm. Donc on a commencé un rassemblement avec 3 francs 6 sous. Objectivement, je pensais que la première année, ça allait arriver de partout, dans mon rêve. Et les motards, ils ne sont pas tout de suite arrivés. On a mis quelques années avant que ça se mette en place. Voilà, donc ça fait... on a fait nos 20 ans, je l'ai déjà dit. 17e cette année, en espérant qu'on pourra faire la 18e parce que c'est malgré tout un petit peu de budget. Ouais, ouais. Et puis, voilà, on est là, on a notre club house et puis on y fait régulièrement des concerts. Puis on est là que pour que du bonheur et du plaisir. Alors, coaster roller, il y en a beaucoup qui me disent, mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. C'est une soirée dans une beuverie. Alors, ceux qui ont vu le film avec Bernard Chéroteau, et Jean-Pierre Calfon, ça s'appelait, la mémoire me fait faute, je suis un peu vieux, je ne me rappelle plus non, ça va me revenir, c'est un film assez violent, et donc Jean-Pierre Calfon était dans ce film, leader d'un groupe, et ils étaient arrivés à une apothéose, et le problème c'est qu'ils sont descendus, et il raconte son histoire, Jean-Pierre Calfon, dans le film, il dit, moi, je me rappelle quand j'ai chanté à Bercy avec les Coaster Rollers, donc ce nom, c'est sorti mais resté, comme ça. Voilà. Ouais. Alors je me souviens plus du nom du film, parce que c'est un super film. Je me rappelle plus du nom du film. Voilà, Coaster Roller, donc ça n'a pas une signification. S'il y a une signification, dans ma tête à moi. Ouais. Voilà, parce que voilà, pour une soirée. Donc voilà. Maintenant, le nom du film, ça serait bien que je puisse m'en rappeler. Donc voilà, mais ça c'est l'histoire de l'assaut. Voilà. Et puis on a la chance d'avoir énormément d'amis. Plus que ça, je dirais amis. En l'occurrence, avec les médiévales, je considère qu'on est plus qu'amis, parce que c'est ça de la fraternité, mmh. Et c'est une grande fierté pour moi. Voilà. Mais on a la chance que vous êtes là, d'autres sont là. Et puis nous, c'est une institution, votre rassemblement. Voilà. C'est-à-dire que c'est impensable qu'on ne vienne pas. C'est-à-dire que c'est parmi nos sorties, entre guillemets, quasiment obligatoires, et pour rien au monde, on rentrait à l'événement. Donc, c'est parce que pour nous, c'est important aussi. Et on fait des passages de couleurs ici, hein, comme à notre interchapitre. Ouais, donc, ouais, ouais. Pour nous, c'est super important. Donc, c'est aussi. C'est un vrai plaisir. C'est une grande fierté, ça, pour nous. Et puis, je te dis, on me dit, c'est des amis. Non, c'est pas des amis. Mais c'est ce que je pense. Hein, pour moi, on est des frères. Bah, voilà. Mm. C'est comme ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce que je ressens, mais beaucoup dans l'assaut, puisqu'on est une assaut. Alors, ma particularité de l'assaut, il est vrai, on a monté cet assaut, j'ai monté cet assaut il y a 20 ans avec 2 filles. Ma femme, et puis, la roue tourne, il y en a qui ne sont plus, mais c'est comme ça, mais je les aime toujours autant. Et puis, la particularité dans l'assaut, c'est qu'il y a des filles qui ont des couleurs. Alors, je pense qu'elles le méritent largement, en l'occurrence ma femme, parce qu'elle s'investit énormément dans l'assaut. Mm-hmm. Voire des fois, tu vois, programmation musicale, c'est elle qui gère tout ça. Donc c'est la particularité de l'assaut que l'on a. Mais on est très fiers de ça de toute façon. Ouais. Voilà. Qu'il est 9h du matin. Bah surtout qu'il est 10h30 quoi. Ah ouais, il est 10h30. Même moi vous savez sans mes lunettes. Bon, comment ça se présente? Ça commence à sentir très très bon. Ça commence à être bien là. Il nous reste quelques kilos de patates à rajouter. Voilà.
Et après, ça va mijoter jusqu'à midi et demi, 13h. Ça va être encore une dinguerie. C'est toujours un privilège. Ah, un réel plaisir de se retrouver comme chaque année. Bon, on a eu 3 ans de Covid, mais chaque année sous la pluie, c'est magnifique. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Gégé? Je suis très heureux que vous soyez là, un immense bonheur. Vous dire qu'on est gâté par la météo, bah, de toute façon, si c'était le contraire, vous y ne croiriez pas. De toute façon, il pleut tout le temps. Voilà, mais autrement, bah, si ce n'est merci à tous. J'espère que vous passez un bon week-end ensoleillé, attention au coup de soleil. J'ai une promo là-bas sur la crème solaire, si vous voulez. Puis voilà, bah, merci à vous tous d'être là. Merci énormément. Bravo. Voilà, tu peux leur montrer. Hein. Alors, pour remercier les Coaster Rollers, chaque année, on leur offre un petit truc, un petit trophée pour marquer notre passage. Et bon, on n'échappe pas à la règle. Hein, voilà. C'est un petit clin d'œil pour vous dire que, bah, voilà, on est amis. L'amitié perdure avec le temps. On sera toujours là. Et puis, ça va continuer comme ça. Et merci encore de votre accueil. Merci pour tout. Bravo, bravo. Bravo. C'est bon, c'est la vie, c'est tranquille. On est entre nous, c'est la belle vie. On va filmer les petits hangarons et les supports qui bossent dur. Sous la pluie, voilà, un chevalier. Ouais, c'est comme ça que tu bosses, toi. Bravo. Oh, regarde Braise. Vraiment gros blaire, par contre. Bon, là, on se prépare pour faire notre cérémonie de remise des couleurs. Donc vous ne verrez pas tout, vous ne verrez même rien du tout, parce que ça reste privé, mais par contre on verra après ceux qui ont été récompensés, honorés, etc. Voilà, on se retrouve après, tchuss. Bon, Tenzer. Beaucoup de fierté. Passage prospect, ouais. Petites impressions. Bah, ça fait chaud au cœur. C'est du travail, l'implication. l'esprit du devoir. Et puis bah, fierté de mon parrain et de chacun des frères du club. Et bah, gonfler à bloc 2 fois plus pour aller jusqu'au bout et même après encore. Bon alors, full patch, fierté. Ça y est. Ça y est, c'est une fierté. Les impressions? Voilà, je suis très ému, mais c'est une fierté de porter les couleurs de la nation. Ok, bah bravo, félicitations encore. Merci. Le temps est passé tellement vite que moi j'ai pas calculé quoi. Et là on me dit il va passer full patch et je me dis bah ouais, il mérite.
Parce que t'es extra quand même. Ah ouais, t'es un bon mec. Je suis fier de toi. Alors, ça y est, cousu ? Voilà, parce que en plus des passages full patch et prospect, il y a aussi le passage full patch Woman Clan. Voilà. Et toi, c'est en cours ? C'est en cours. C'est là. Magnifique. On perd pas de temps. Ah ouais. Ah non, il faut pas. Hein. Super. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Ouais, grave. Un truc. Un reptile. Regarde. T'as un jeu. Tu lui appuies sur les dents. Non, tu mets pas ta nuque. Oh, c'est joli ça. Alors là, on part à la pêche. La pêche, on a le bâton. Ah ouais, magnifique. Boule de jonglage, magnifique, bravo. Avec les médiévales, que des résultats. Vous, j'ai envie de l'enlever. Ouais, mais là, tu... Ah, vous avez l'air de kiffer, les gars. Non, mais faut pas nous filmer à galérer comme des morts. Attends, prends un côté. Ah, on adore. Si vous voulez déballer, on adore. Vas-y. Bon, de toute façon, tu sais quoi, t'es en garante, c'est toi qui vas le faire. Bon, on est reparti pour un tour. Exactement. Et quand on aime, on compte pas. Ce soir, dans Balaya.
Oh, de toute beauté. Quelle dextérité. Salut.